L'actrice Hilary Swank est devenue maman pour la première fois en accueillant des jumeaux. Elle et son mari, l'entrepreneur Philippe Schneider, ont désormais un fils et une fille. La nouvelle maman, ravie, a posté sur les réseaux sociaux une photo où elle tient ses nouveaux-nés dans les bras en regardant le coucher de soleil. L'actrice Hilary Swank à la finale féminine des Internationaux de France 2018, 14e jour à Roland-Garros le 9 juin 2018 à Paris, France. Source, Getty Images. Hilary Swank et son mari Philippe Schneider à la 80e édition des Golden Globe Awards au Beverly Hilton le 10 janvier 2023 à Beverly Hills, Californie. Source, Getty Images. Cela n'a pas été facile. Mais ça en valait la peine, a légendé Swank, ajoutant, joyeuse Pâques. Je poste depuis le paradis après avoir laissé derrière elle sa vie hollywoodienne, la star de Freedom Writers s'est installée dans un rancho avec son époux bien-aimé, où ils élèveront leurs enfants. Le couple est marié depuis 4 ans. Le mariage a eu lieu en août 2018. Ils se sont rencontrés grâce à des amis en commun qui leur ont donné un rendez-vous à l'aveugle. Pour leur premier rendez-vous, Swank et Schneider ont eu un déjeuner sans fond organisé par Vicky, la femme de l'acteur Misha Collins, et Jean, un de leurs amis. Ils se sont retrouvés le matin et se sont séparés tard dans la nuit. Elle a déclaré lors d'une interview en 2018 qu'il était évident qu'ils avaient passé un bon moment. Hilary Swank et Philippe Schneider à la projection spéciale de Los Angeles de What They Had à l'Epic Westwood le 9 octobre 2018 à Westwood, Californie. Source, Getty Images. Schneider a posé la grande question un an et demi plus tard, et à ce jour, Swank se demande toujours pourquoi ils ont attendu si longtemps pour se marier. Il l'a demandé en mariage alors qu'ils étaient en vacances dans le Colorado en 2016. Là-bas, ils ont découvert de magnifiques paysages de montagne avec une cascade autour de cabanes rustiques datant des années 1800. Soir, Philippe s'est agenouillé devant la cascade et a fait sa demande, a révélé Swank. Après avoir demandé sa main dans un cadre aussi naturel, il était logique de descendre l'allée dans un endroit exceptionnel, au milieu de la nature, car les deux tourtereaux sont des amoureux, adorent la nature. Dès le début de leur préparatif de mariage, Schneider et le producteur de film savaient qu'ils voulaient échanger leurs vœux près de leur domicile en Californie, afin que son père, qui était malade et ne pouvait pas prendre l'avion, puisse l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Hilary Swank et Philippe Schneider à la finale Homme des Internationaux de France 2018, 15e jour à Roland-Garros le 10 juin 2018 à Paris, France. Source, Getty Images. Ils ont choisi des séquoias comme lieu de leurs noces, Swank expliquant que Santa Lucia Preserve Vacamel, en Californie, correspondait à ce qu'ils souhaitaient pour leur grand jour. Il s'agit d'une communauté privée étonnante entourée de 8000 hectares de conservation et d'un bosquet de séquoias intimes peuplé d'arbres âgés de plus de 800 ans. La star de PS Love You a déclaré à propos de son mariage avec Schneider, c'était intemporel, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre mot pour définir l'expérience, c'était vraiment un rêve devenu réalité. Un autre rêve devenu réalité pour Swank est celui de devenir mère, une expérience qu'elle a attendue toute sa vie. La brune a annoncé sa grossesse gémellaire en octobre 2022, et un initié a révélé, elle est impatiente d'avoir des enfants et le souhaite depuis longtemps. Sa carrière l'a empêchée d'en avoir par le passé et elle se sent maintenant prête à se concentrer sur sa vie de mère. Lors d'une interview en août 2020, Swank a parlé franchement de la maternité et a déclaré qu'il s'agissait d'un sujet sensible pour elle. Bien qu'elle n'ait pas été mère à l'époque, elle a insisté sur le fait qu'elle prenait soin des gens qui l'entouraient,
ainsi que des animaux de sa maison. Star hollywoodienne a abordé la question des nombreuses femmes qui ont été critiquées parce qu'elles n'avaient pas d'enfants ou ne pouvaient pas en avoir, et qui ont donc été cataloguées comme non maternelles. Toute forme de maternage, toute forme d'éducation est considérée comme liée à la maternité après avoir accueilli son fils et sa fille à l'âge de 48 ans, ses fans l'ont félicité sur Facebook. Je suis ravi qu'elle puisse enfin goûter à la maternité et au fait d'éduquer des enfants. Je suis heureuse qu'elle puisse en faire l'expérience, a écrit un internaute. Un autre a écrit, 48 ans et des jumeaux. Que Dieu la bénisse. Alors qu'un troisième a déclaré que l'âge n'est pas un facteur déterminant dans la parentalité. En outre, d'autres personnes ont reproché à Swan que d'avoir choisi trop tard d'être mère. 48 ans, elle est trop vieille pour avoir son premier enfant, a déclaré une personne. Un autre a commenté, elle aura 78 ans quand ils en auront 30. Oh là là! Par ailleurs, une personne a commenté qu'il était toujours intéressant que de nombreuses stars soient parents de jumeaux. La fécondation in vitro est un don de Dieu? Avant de devenir mère, Swank a vécu une expérience intimidante en s'occupant de son père malade. La lauréate de 2 Oscars a mis en pause sa carrière d'actrice pour devenir l'aide-soignante à plein temps de son père. Swank, qui a commencé à jouer à l'âge de 15 ans, a fait une pause en 2014. Son père avait besoin d'une greffe de poumon et elle voulait être à ses côtés à chaque étape. Hilary Swank et son père, le sergent-chef Stephen Michael Swank, retraité de l'armée de l'air, à la projection spéciale de Los Angeles de What They Had à l'Epic Westwood le 9 octobre 2018 à Westwood, en Californie. Source, Getty Images. Cette native du Nebraska avait prévu de prendre une année sabbatique, mais elle s'est finalement retrouvée à délaisser son travail pendant 3 ans en raison du processus de guérison de son père, qui a pris plus de temps que prévu. Heureusement, son père s'est complètement rétabli et elle a pu reprendre le travail. Swank a fait son grand retour en 2020 en apparaissant dans le film à suspense The Hunt et en tenant le rôle principal dans la série Netflix Way. Malheureusement, son père, avec qui elle entretenait une relation étroite, est décédé 1 an après son retour. Swank a révélé la nouvelle déchirante sur son compte Instagram le 1er janvier 2022. En octobre, mon cher papa a fait sa transition vers l'autre côté. Swank a révélé que ses enfants allaient naître le jour de l'anniversaire de son père, et elle a décrit cela comme magnifique, ajoutant que leur date de naissance serait un hommage à lui car il était sa personne préférée. Quant à savoir comment son père bien-aimé aurait réagi à sa maternité, la star de Million Dollar Baby a déclaré qu'il aurait été ravi pour elle. Commentaire d'un fan sur l'annonce de la grossesse d'Hilary Swank. Source, Facebook Analyzing America. Commentaire d'un fan sur l'annonce de la grossesse d'Hilary Swank. Source, Facebook Analyzing America. Il a toujours voulu qu'elle ait tout ce qu'elle désirait dans la vie. La star primée s'est abstenue de devenir mère parce que sa carrière et ses relations ne la rendaient pas prête à avoir des enfants. C'était jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari. Plus d'être sur un petit nuage, Swank a également trouvé son lieu de bonheur, en référence à sa nouvelle maison dans le Colorado. Elle a déclaré lors d'une interview en novembre 2020, « Je trouve que la nature est l'endroit où je suis le plus heureux, et les animaux contribuent à me rendre encore plus joyeuse. » Alors, avoir les deux, c'est tout pour moi. Hilary Swank au festival du film Sundance 2019 le 26 janvier 2019 à Park City, Utah. Source, Getty Images. La maison de Swank et Schneider est située en pleine nature dans des montagnes du sud-ouest du Colorado.
Elle a été construite sur un terrain de 68 hectares qu'ils ont découvert en 2016 et qu'ils ont finalement acheté en juillet 2018. Les travaux de construction ont commencé 2 ans plus tard, avec quelques retards dus à la pandémie de Covid-19. Cependant, la propriété a été achevée et le couple a pu emménager en août 2020. La maison est dotée de grandes fenêtres et est suffisamment spacieuse pour que ces chiens sauveteurs puissent s'y promener en toute liberté. Non seulement elle est moderne, mais elle est aussi durable et comporte des matériaux de récupération. Lire aussi, la millionnaire Hilary Swank utilise des coupons et tricote des vêtements, la vie modeste qu'elle mène dans un ranch à la montagne. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News.